La numérisation est en train de transformer plusieurs secteurs d'activité, au nombre desquels l'agriculture. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis sur pied le PSNDEA, entendait le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. Quel est l'impact de ce projet sur l'ensemble du secteur agricole ivoirien quel en est l'avantage pour les acteurs de la filière Voici quelques questions que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, que je prends beaucoup de plaisir à présenter. Je suis en compagnie de M. Yao Boufoué adjoumani coordonnateur du PSN PSNDUA, à qui nous souhaitons la bienvenue. Et c'est un réel plaisir pour la rédaction de cette info de vous avoir sur son plateau. Moi également. Comme je le disais tantôt, de plus en plus, les technologies numériques révolutionnent la manière dont les hommes se comportent, mais de façon plus concrète, de façon plus palpable, qu'est-ce que le numérique apporterait dans le quotidien de nos parents agriculteurs Le PSNDEA, c'est le projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. L'objectif de ce projet, c'est l'introduction du numérique dans les pratiques agricoles. L'activité agricole peut se subdiviser euh, en trois phases. La première phase, c'est la phase d'acquisition. La deuxième phase, c'est la phase de production. La troisième phase, c'est la phase de commercialisation. Euh, à la phase d'acquisition, il y a l'acquisition des intrants, l'acquisition des semences, des boutures, l'acquisition également du foncier mmh. et, et aussi des finances, parce qu'il faut financer l'agriculture. Et à, toutes, à cette étape déjà, euh, L'introduction du, du, du numérique euh, apporte par le biais d'informations, d'informations et de mises en relation apporte beaucoup aux paysans. Euh, par exemple, euh, la, dis la disponibilité de sémences dans les différents dans les différents euh, dans les différentes surfaces, la disponibilité de foncier, la disponibilité de financement. Parce que nous avons effectué l'enrôlement euh, de tous les acteurs des, des, des zones concernées, nous avions quatre Régions, la région du Haut-Sassandra, la région de la Marawi, la région du Tiologo et euh, le Poro. Donc, dans ces quatre régions, nous avons effectué l'enrôlement de plus de 400 000 acteurs. Et parmi ces 400 000 acteurs, il y a les agriculteurs, il y a également les, 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 les établissements financiers, il y a également les transporteurs, en tout cas tous les acteurs du secteur agricole dans ces régions. Alors, la deuxième phase c'est la phase de production. La phase de production, c'est une phase qui permet aux paysans, c'est vraiment le travail réel du, pays, du paysan sur le terrain. Et dans, dans cette phase, nous fournissons des informations agricoles et informations agrométéorologiques, okay. qui permettent aux paysans de, euh, par exemple, de maîtriser les, les, les saisons pluvieuses, le climat, et également, pour les concernant, les informations agricoles. Euh, de, ça permet aux paysans également de, 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 de connaître les, les, les techniques de planting, etc. etc. Voilà. Il y a la dernière phase qui est la, la, phase, dernière de phase, est la phase de commercialisation. Euh, nous, nous avons affaire à des, produits, euh, à des produits vivriers. Et ces produits vivriers sont, par essence, des produits périssables. Euh, donc, euh, le stockage sur, euh, un long, sur un long temps. Euh, peut causer des détériorations. Okay. Et aujourd'hui, il y a des disponibilités euh, dans des régions dans lesquelles il, il n'y a pas de besoin. Bon, donc la publication des besoins et des stocks constitue euh, une avancée dans euh, la réalisation de ce projet. Alors, une chose est de faire découvrir ces, ces solutions numériques à l'ensemble des paysans, chose pour laquelle on vous félicite d'ailleurs, mais l'autre chose est de leur faire comprendre comment ça marche. Quand on sait que les paysans sont tous issus des zones rurales et généralement analphabètes, c'est quoi le programme de formation et d'éducation que vous mettez en place justement pour relever ce défi ben, Je vous l'ai dit, nous avons enrôlé plus de 4000 paysans dans plusieurs localités euh, de nos zones. Dans chaque localité, nous avons deux points relais. Deux points relais et deux, deux personnes qui, qui, ont, qui sont des, des, des scolarisés et qui ont, été, euh, qui ont été formés par le PSNDEA voilà, à l'utilisation de l'outil. Nous avons également les services euh, du ministère de l'Agriculture, les services territoriaux, tous les responsables des services territoriaux. Nous avons également euh, l'OCPV, l'Office de commercialisation des produits agricoles, qui a ses services euh, sur le terrain. Euh, nous avons l'ANADER avec qui nous avons signé nos conventions euh, pour nous fournir euh, les informations agricoles. Vous parlez de la numérisation de l'agriculture, c'est-à-dire que cela implique donc l'utilisation de technologies numériques pour améliorer la productivité agricole des différents paysans afin qu'ils en tirent un meilleur profit lié à la commercialisation de leur production. Euh, sur le sujet, qu'est-ce qu'a fait le PSN2EA de depuis sa création en 2018 depuis 2018, nous avons procédé à l'enrôlement de plus de 400 000 paysans, euh, agriculteurs, en tout cas qui travaillent sur le vivrier, mmh. dans le domaine du vivrier. Nous avons également effectué euh, la mise en exploitation de la plateforme, développé la plateforme et sa mise en exploitation. Et le développement de la plateforme nous a pris euh, plus de deux ans. Voilà. Donc, quand nous avons fini le, le développement, nous, nous avons procédé à la formation de tous les acteurs, comme je l'ai dit euh, tantôt, la formation de, de tous les acteurs. Et euh, nous avons effectué le lancement de la plateforme en avril 2021 à, à Daloa, en présence des trois ministres le ministre de la culture, le ministre de l'économie numérique et celui de la bonne gouvernance euh, d'Aloa. AgriStore, c'est la plateforme que vous avez mise sur pied pour la relation entre les producteurs et les acheteurs de produits agricoles. Elle est fonctionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet Oui, oui. À ce sujet, euh, je peux vous dire que en plus des 400 000 euh, agriculteurs et acteurs euh, enrôlés, euh, nous, avons, nous avons eu euh, plus de 100 000 visites et 32 000, euh, et, 30, et 32 000 publications. D'accord. Euh, la plateforme étant terminée, nous, à notre niveau, euh, nous avons effectué le transfert de la plateforme au ministère de l'Agriculture mmh. par le biais du ministre de l'Économie numérique. La Banque mondiale, on le sait, est partenaire technique et financier du, du projet du psn 2 À hauteur de combien de francs CFA euh, cette institution internationale a pu participer à la mise en œuvre du projet euh, le projet, dans sa globalité, a un budget de 45 milliards de francs CFA. Sur les 45 milliards, la, la, la Banque mondiale a participé à hauteur de, de 35 milliards. OK. Et, et, et l'autre partie L'autre partie, c'est l'État, le Trésor ivoirien. D'accord. Le, le montant euh, attribué par la Banque mondiale a servi à quoi concrètement le montant attribué à la Banque mondiale a servi à réaliser toutes les activités opérationnelles, en tout cas jusqu'à la fin du projet. D'accord Voilà. Plusieurs zones rurales de forte densité de production agricole font face à des routes dégradées. Est-ce que c'est ce, le genre de choses que vous prenez en compte ou que vous avez pris en compte dans la mise en œuvre du, du PSNDEA Le PSNDEA, initialement, est un projet du numérique. Euh, ce n'est pas un projet de génie civil. Euh, toutefois. Toutefois, le gouvernement a don, nous a donné la possibilité de traiter euh, 220 km de routes rurales euh, dans les zones que nous avons euh, identifiées. D'accord, on euh, peut avoir euh, quelques éclaircies sur les zones en question Oui, euh, nous, avons, nous, a, nous avions retenu quatre régions mm. la région du haut sassandra le Lodibois, le Gant et le Bunkani. Quand on prend la région du Bunkani, par exemple, nous avons des enclavés trois sous-préfectures qui sont très importantes dans la production de, de, de ligname. Okay. Quand, quand on sait que les Ivoiriens consomment beaucoup d'igname, euh, il y avait quand même des difficultés à ce niveau. Depuis 40 ans, cette route de 55 km n'avait pas été touchée. Alors nous avons pu, euh, dans le cadre de ce projet, euh, réaliser le reprofilage lourd et le traitement des points critiques, et même aller jusqu'à la signalisation de, de, de ces routes-là. Vous l'avez dit, hein, le PSN2 est un projet du numérique. Il a quand même fait place au projet de, de BTP. Il accorde également des subventions à des producteurs de riz, des agriculteurs et même des structures telles que l'ADERI et, et l'IPRAVI. C'était essentiel. Oui, euh, ce n'est pas seulement l'ADERI et l'IPRAVI, c'est autres... aussi l'OCPV. Mm -hmm. euh, nous avons été approchés par euh, les différents ministères. Euh, pour qu'en en en 2020, pour appuyer le programme de, de, de lutte contre la COVID-19. Mmh. Alors, euh, alors nous, nous avons connu une réallocation de notre budget de 11,6 milliards en destination de trois structures agricoles. Et ces trois structures sont euh, l'OCPV pour la commercialisation, l'IPRAVI pour le secteur avicole et euh, l'ADERI la, pour le secteur risicole. Concernant l'IPRAVI, euh, nous, nous avons financé les activités des, des 793 fermiers sur l'étendue du territoire national euh, à hauteur de 8 milliards 100. D'accord euh, 8 milliards 100. Euh, donc à ce titre, nous avons livré euh, plus de 5 millions de poussins et euh, 12 000 tonnes d'aliments. Okay. 5 millions de poussins, 12 000 tonnes d'aliments. Nous avons également, concernant le... L'OCPV, CPV, nous avons livré euh, 17 véhicules, 50 motos, financé des formations, euh, équipé en matériel euh, informatique. Concernant euh, l'Adéri, nous avons livré euh, 2000, 2250 kg d'intrants, d'intrants euh, urés. Alors toutes ces activités, vous les avez menées depuis 2010, 2018 pardon, date à laquelle date de naissance euh, du, du PSN 2 Ia, il devait correctement se terminer en 2023. Nous sommes en 2024. Qu'est-ce qu'on retient de l'ensemble des activités à venir du PSN 2 Au-delà de ce que nous avons cité, nous avons également couvert en termes de connectivité euh, téléphonique et data en zone rurale. Nous avons couvert 175 localités essentiellement dans la Banque Nord. Quand même. Euh, 175 localités. Euh, la téléphonie fonctionne un peu comme l'électricité. Tant okay. que vous n'avez pas la couverture, vous ne pouvez pas utiliser euh, les outils que vous avez à main. Mm. Alors, nous avons. Euh, or, c'est le début de la numérisation. On ne peut pas faire des numérisations sans la connectivité rurale. Alors, euh, pour une question d'équité sociale, l'État a décidé de couvrir toute cette. Toute cette, toute cette bande nord. Nous avions au départ identifié 333 localités. Et sur ces 333 localités, nous avons obtenu le financement pour couvrir 175. Donc nous avons construit 160 sites radioélectriques qui nous ont permis de couvrir ces 175 localités-là. Nous avons, nous avons terminé à, à ce niveau. Alors donc, ça veut dire que 2018-2023, tout est achevé Oui, tout est, tout est achevé. Mais comme je l'ai dit, il y a une réallocation budgétaire qui nous a permis de financer les activités des IPRAVI, OCPV et autres, qui n'étaient pas initialement dans le projet. Okay. Alors, euh, il y a eu un restant budgétaire du côté de l'État et le gouvernement a décidé de poursuivre le projet jusqu'à la consommation de, de ce budget, ce qui va nous permettre... De, de, de compléter au moins jusqu'à la fin de l'année que nous ayons dans ces zones-là sur les 333 localités, okay. euh, 75 localités plus une, une trentaine ou une vingtaine de localités. D'accord, ça sera la dernière question de cette émission. De quoi vous n'êtes pas satisfait dans l'exécution du, -DU Bon, Je souhaite par parler de quoi nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits de la réaction <laughs> des populations parce qu'il y, y, eu, euh, y a eu une enquête après, après le retrait de la loi. Une, une enquête de satisfaction. <laughs> Concernant les routes, nous sommes à 85% euh, pour une population de plus de 228 000, 228 000 personnes hein, qui ont été désenclavées euh, pour les routes. Concernant la plateforme, nous sommes à 85% également des satisfactions. Les, 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 les populations estiment que euh, les réalisations de, 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 de l'UCP, du PSNDEA, euh, satisfont à leurs besoins. Ensuite, euh, concernant la connectivité rurale, mmh. nous avons 91% sur une population de 221 000 okay. personnes. Euh, la non-satisfaction, c'est le fait que nous n'ayons pas pu terminer. La connectivité euh, concernant les, 3, les, les 333 localités. OK. Voilà, c'est essentiellement ça. En tout cas, nous, on retient que dans tout ce que vous avez dit, de tout ce qui précède vos commentaires, euh, le PSNDA qui est le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales, et l'IA agriculture, a été une réalité en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, le PSN de a eu a été une réalité. Il y a un acquis. Euh, je, je vais même vous surprendre. Euh, le PSND a permis de stabiliser les prix de poulet. D'accord. En 2021 et en 2022. Qui était à combien, qui, qui sont stabilisés à combien euh, Je ne dirai pas de, parce que tout dépend des de, de, de poids. Ok. Voilà. Donc euh, nous avons pu stabiliser, nous avons pu euh, aussi approvisionner le marché. D'accord. Voilà. Par, par notre action, il n'y a pas eu de pénurie en poulet. La Côte d'Ivoire a continué de. Donc, nous avons participé à la lutte contre la vichy. Monsieur Yao merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, cette émission tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je recevais monsieur Yao Boufouet, coordonnateur du PSN de l'UIA, entendez le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'agriculture. Il était sur ce plateau pour nous faire le bilan de la mise en œuvre de ce projet qui date de 2018 à 2023. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.